Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Spyro le Dragon sur PlayStation 1. Et on va continuer le premier monde avec le niveau de vol. Alors généralement les mondes de Spyro se comportent ainsi. Un hub central où il y a quand même des choses à gagner. Trois niveaux classiques. Un boss. Et un niveau de vol. Les niveaux de vol sont ultra relous mais on va y jeter un petit coup d'œil sur le premier. Bon, comme d'habitude, vu que j'ai tout ratissé dans le monde de départ, quand vous butez un ennemi, vous avez des orbes, vous cumulez assez d'orbes pour avoir des vies. Voilà, voilà. Et on parle à toi. Voilà. Impeccable. Le niveau de vol de ce premier monde est caché. Un dragon vous explique gentiment ce qu'il faut faire. Si vous avez oublié ou que vous arrivez cette vidéo en premier, je vous explique. Il faut sauter sur les 5 petites dalles qui sont dans cette petite mare au canard. Alors, il n'y a pas d'ordre précis. Donc, je vous rassure, vous pouvez les prendre n'importe quel ordre, ça marche bien. Et une fois que vous avez sauté sur les 5, tada ! La porte du niveau s'ouvre. C'est pas aussi relou pour les autres niveaux, je vous rassure. Hein. Mais il y a quand même 2-3 bricoles à faire. Bon, déjà... Je m'excuse pour la qualité de la vidéo, j'ai dû la refaire plusieurs fois parce que mes captures ont sauté. Bref, le but est de détruire 4 types d'objets, au nombre de 8. Là ici on a les tonneaux sur les trains. Il y a également des coffres, passer sous les arches et détruire les avions. Le tout en, entre guillemets, 30 secondes. Vous détruisez les objets, vous avez du temps bonus. Là c'est 3 secondes, on verra plus tard après que c'est moins pour certains objets. Alors, vous pouvez gagner donc des gemmes. Il y a 300 gemmes dans chaque niveau. 60 par groupe de 8. Alors, par exemple, je vais en avoir 60 en détruisant tous les tonneaux. Et vous avez 60 supplémentaires si vous détruisez tous les objets en un seul run. Et pour ça, ça va vous demander de connaître non seulement le niveau par cœur, mais de connaître le meilleur ordre, le meilleur enchaînement possible. Et ça, c'est difficile. Pour le premier niveau, moi je vous propose donc l'ordre que vous voyez, c'est d'abord les trains dans le sens inverse de la marche, histoire de les éliminer plus rapidement. Vous continuez un peu le chemin, vous passez sous les arches et vous allez buter les coffres. Là, on est au niveau justement des arches électriques. Là, c'est facile. Au milieu de ces arches, voilà, vous avez les avions. Bon, mon petit conseil, c'est de vous attaquer aux avions de suite. Alors, par contre, les avions... Faut vraiment faire attention parce qu'il y en a 4 qui volent dans un sens, 4 dans l'autre. Et ne faites pas la même bêtise que moi. Essayez de vous débrouiller que le dernier avion que vous butez soit près des arches. Voilà, le temps commence à manquer. Ça va être crack. Voilà, vous allez voir que le dernier avion, il est là. Donc il est extrêmement loin des arches. Ça va être serré. Allez, Spyro, un petit coup de turbo. On est passé. Allez, allez, dernier. Oui. Oh, bordel de merde. Pardon, mais un pouillème prêt. Hein. Croyez-moi, j'ai hurlé de joie quand je l'ai faite en direct. Hein. Ainsi donc, là, vous avez vu, j'ai gagné 240 gemmes. Mais comme j'avais déjà récupéré les 8 tonneaux avant, ben, j'ai récupéré les 300. Tada! Et voilà, nous avons fini ce petit niveau de vol. Les niveaux de vol sont très courts, mais extrêmement pénibles. Parce qu'il faut tout faire d'un coup, et ça peut être très très long. Ainsi donc s'achève cette petite vidéo de Spyro. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter et à partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, et bon jeu. Salut !